bagitaye yawe fomola lola babeli bagikaye yawe fomola lola basali amen. Nous continuons bien aimés avec notre thème. Savez-vous pourquoi Jésus-Christ est champion des champions? Amen, amen. Amen, amen. Oui, c'est selon notre livre bien aimé que nous avons, que j'ai écrit il y a quelques années passées. This is it's the title of the book I wrote a few years ago. Amen, amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons continuer toujours avec le thème que nous avons intitulé Savez-vous pourquoi Jésus-Christ est champion? Mais nous sommes déjà à la deuxième partie. Today, we're going to carry on with the title of Do You Know That Jesus is Champion of All Champions? But we're on the second part now because we started last week on the first one. C'est toujours dans l'introduction, bien-aimé. We're still in the introduction. Nous voulons dire aujourd'hui que Jésus-Christ est le Messie. We wanted to say today that Jesus Christ is the Messiah. Gardez votre téléphone, il ne faut pas maintenant commencer à checker votre téléphone, suivez la parole de Dieu. Amen, amen. Amen. Jésus-Christ est le Messie. Jesus Christ is the Messiah. Le mot Christ vient de la traduction en grec du mot hébreu Messiah. The word Christ comes from the Hebrew word of Messiah. Amen, amen. Amen. C'est-à-dire Messie. Which means Messiah. Jésus Christ est le Messie. Jesus Christ is the Messiah. C'est ça peut-être le nom que nous donnons à nos enfants, c'est savoir pourquoi ce nom et qu'est-ce que ce nom la puisse disons signifie. Give to our children without knowing the meaning of it. Messie, c'est Jésus Christ. The Messiah is Jesus Christ. Nous lisons Luke chapitre 2, verset 11. We're going to read Luke chapter 2, verse 11. Amen, amen. Amen. Luke chapitre 2. Luke chapter 2. Nous sommes au verset 11e. Verse 11. Il nous dit ceci: c'est aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ le Seigneur. For unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. Amen, amen. Amen. Le Messie. The Messiah. Amen, amen. Amen. C'était une joie quand notre Seigneur a été né. It was a joy when our Savior was born. Amen, amen. Amen. Le Christ est le Seigneur. Christ is the Lord. C'est pour ça que moi je l'appelle le champion des champions. That's why I call him champions of all champions. Jésus Christ est le substitut de l'humanité. Jesus Christ is the substitute of our humanity. C'est celui que Dieu a offert comme une victime destinée à expier le péché pour ceux qui croient en son sacrifice. That's the reason why God offered his life as a victim to sacrifice his life for your sins so that people will believe in his sacrifice. Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Jesus Christ died for our sins. Jésus-Christ a été destiné comme une victime à cause de nos péchés. Christ was Jesus a victim for our sins. Pour nous qui croyons, bien-aimés, for us that believe, my beloved, Christ, à nous, c'est pour ceux qui croient à son sacrifice comme nous, bien-aimés, for those who believe in his sacrifice like us, my beloved, nous devons croire que c'est Jésus-Christ qui a créé cette humanité. We have to believe that Jesus Christ has created this humanity. Amen, amen. Amen. Et si on peut le voir, Romains 4, verset 25. Romans 4, verse 25. Bien aimé, ce livre est rempli toujours de versets pour enseigner les gens, pour faire apprendre aux gens qui est Jésus Christ. My beloved, this book is filled with. Pour faire apprendre aux gens. Chapters to teach you. Qui est Jésus Christ. Who is Jesus Christ. Amen, amen. Amen. Romans 4, verse 25, who was delivered for our offenses and was raised again for our justification. Amen, amen. Amen. Il nous dit ceci, lequel a été livré pour nos péchés et ressuscité pour notre justification.
Christ is the path that leads to God. Amen, amen. Amen. Il y a un chemin. There's one path qui mène à notre Dieu. That leads to God. Ce chemin-là, c'est Jésus-Christ. This path is Jesus Christ. En suivant Jésus-Christ, by following Jesus Christ, en marchant avec lui, by walking with him, il le conduit vers le royaume céleste. Towards the kingdom of God. Amen, amen. Amen. Et voici ce témoignage, ce que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. And you see this testimony where God has given us the eternal life, and this life lives in His Son. La vie que nous avons, la vie éternelle, nous l'avons en Jésus Christ. The life that we have, the eternal life that we have, is in Jesus Christ. Celui qui a le Fils a la vie. The one that has the Son has life. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. The one that doesn't have the child, the Son of God, does not have life. Il est le chemin. He is the path. Pour nous. For us. C'est lui, nous qui avons Jésus Christ en nous. Us who have Jesus Christ in us. Nous avons la vie. We have life. Mais ceux-là qui n'ont pas Jésus Christ, those who don't have Jesus Christ, ils n'ont pas la vie. Don't have life. Bien aimé, beaucoup de gens préfèrent avoir leur magie. My beloved, a lot of people like to have their own magic. Et s'appuyer sur cette magie. And they love to lean onto that magic. Les gens aiment avoir. Fetish, et ça c'est fétiche. Mais nous avons Jésus Christ. Et nous nous appuyons en Christ. We lean on Christ. Puisque Christ en nous, because Christ in us, c'est l'espérance d'avoir. Is the hope of glory. Christ en nous, Christ in us, nous avons la vie. We have life. La vie déclare que celui qui a Christ, the Bible declares that those ones have en lui, in them, a la vie. Has life. Mais celui qui n'a pas Christ, the one that doesn't have Christ, n'a pas la vie. Does not have life. Amen. Il y a où il y a les ténèbres, il y a beaucoup de gens. Mais là où il y a Christ, les gens sont aveuglés. Vous ne les verrez pas. Ils ne viennent pas. Mais les gens veulent suivre la foule. Dans la foule, bien aimé, il y a des choses incroyables. Amen, amen. C'est pourquoi Jésus-Christ avait compris. That's what Jesus Christ understood. Quand ce message Michel. Il est venu vers lui pour dire moi et toi on va manger ensemble. That's why Christ approached him already and said you and I shall eat together. C'est lui qui a Christ à la vie. Those ones that have Christ have life. C'est lui qui n'a pas Christ n'a pas la vie. If you don't have Christ, you don't have life. Christ est le chemin qui mène à Dieu. Christ is the path that leads to God. Amen, amen. Amen. Jean 14 verset Jean 5 verset 11 à 12. John chapter 5 verse 11 to 12. He answered them, "He that made me whole, the same said unto me, take up your bed and walk." Then they asked him, "What man is that which said unto thee, take up your bed and walk?" Amen, amen. Amen. Jésus Christ est le guérisseur. Jesus Christ is the healer. Amen, amen. Amen. C'est celui qui guérit nos maladies. He's the one that heals our all of our illness. Nous avons suivi ce que Jésus a dit à cet homme. We followed what Jesus said to this man. Prends ton lit. Take your bed. Marche. Go. Jésus faisait le tour de toute la Galilée. Jesus was doing the turn of the whole Galilee. On y amena tous ceux qui étaient atteints de diverses maladies. They brought him all types of illnesses. Et qui souffraient de divers maux.
of something major. Celle qui était sous la prise d'un démon. Anybody that was under demons. Et ici, que les épileptiques et les paralysés, et il les guérit tous. And also those people who were suffering of epilepsy and paralysis, he healed all of them. Amen, amen. Amen. Jésus-Christ est le guérisseur. Jesus Christ is the healer. Notre champion est le guérisseur. Our champion is the healer. On a amené les malades. They brought him ill people. Des paralysés. They brought him paralyzed people. Des épileptiques. Anybody that had epilepsy. Et Christ les guérissait. And Christ healed them. Amen, amen. Amen. Quand il faisait le tour vers Galilée, bien aimé, on a appelé toutes sortes de malades. Déjà avec beaucoup de maladies. Various people with illnesses. Amen, amen. Amen. Il priait pour eux. He prayed for them. Et les gens avaient la guérison. And people healed. C'est ça le appelant. Il est le guérisseur. The healer. De toutes les maladies. Of all illnesses. Amen, amen. Amen. Il est le roi. Avenir. He is the king to come. Jésus Christ est le roi à venir. Jesus Christ is the king to come. Jésus Christ est le roi que nous attendons à venir. Jesus Christ is the king that we are waiting to come. Amen, amen. Amen. La Bible déclare ceci. The Bible declares. Là-dessus, je vis le ciel ouvert et voici, il y avait un cheval blanc. Where I saw the heaven open, I see a white horse. Son cavalier s'appelle fidèle et véritable. His leader was called a real and loyal person. Il s'appelle la parole de Dieu. It's called the word of God. Jésus Christ est le roi à venir. Jesus Christ is the king to come. C'est pourquoi il est intitulé le champion des champions. That's why I've called him champion of all champions. Amen, amen. Amen. Il s'appelle la parole de Dieu. He's called the word of God. Les armées célestes vêtues de l'or, de l'air blanc et pur. The armies of the kingdom wore white and pure. Les suivre des chevaux blancs. And they followed him on white horses. De sa bouche sort une épée aiguisée pour frapper les nations. From his mouth took out a pour frapper, pour faire mal aux nations. Amen, amen. Sur son manteau et sur sa cuisse est inscrit un titre, roi des rois, seigneur des seigneurs. On his coat was a title written, King of Kings, Lord of all lords. Amen, amen. Amen. Il s'appelle la parole de Dieu. It's called the word of God. Les champions des champions. The king of the champions of the champions. Les rois à venir. The king to come. C'est lui qu'on attend. The one we're waiting for. C'est lui que le peuple a besoin. The one that the people need. C'est lui que l'humanité veut saisir. The one that the humanity needs. Les rois à venir. The king to come. Jésus Christ, le champion des champions. Jesus Christ, champion of all champions. Amen, amen. Amen. On dit que les armées célestes vêtues de l'air blanc et pire. That they said that the people in the armor in the kingdom wore white and pure. Suivez notre Seigneur. They were following our Lord. Sur des chevaux blancs. On white horses. Ils avaient des chevaux blancs. They had white horses. Pour suivre le roi à venir. To follow following the king. Amen, amen. Amen. Quand il entendait parler qu'il est Galilée. When he heard that he was in Galilee. Il est suivi. Follow him there. Quand on disait qu'il est à Nazareth, when they said he will be in Nazareth, il devait se déplacer pour aller le voir. We need to go and see him. Amen, amen. Amen. Nous avons celui que tout le monde a besoin. We have the one that everybody needs. Tout le monde a besoin de Jésus. Everybody needs Jesus. Tout le monde a besoin de Jésus. Everybody needs Jesus. C'est roi à venir. It's the king. Voir même les païens. Even though the believers. Ceux qui se croient aujourd'hui supérieurs. Those ones who find themselves superior. Qui se croient aujourd'hui des rois. Mais il y aura un jour, ils auront besoin de notre Jésus. But there will be a day they will need our Jesus. Quand la maladie va devenir inguérissable, on va leur parler de Jésus. Ils viendront vers notre roi pour recevoir la guérison. Combien de ceux-là qui se disaient roi, qui se disaient de grands présidents, sont finis. Have finished. Au pied de notre Seigneur.
the foot of our Lord. Le champion des champions. The champion of the champions. Jésus est appelé Christ, il est appelé juge. Jesus is called the judge. Jésus Christ est le juge. Jesus Christ is the judge. C'est celui qui juge cette humanité. He's the one that judges this humanity. Amen, amen. Amen. Tu peux avoir des problèmes au tribunal. You can have problems in court. Au tribunal de ce monde. You can have trouble problems. Amen, amen. Amen. Tu peux avoir des juges, des avocats, des par-ci par-là. You have judges, advocates, and anybody. Si ces juges ne sont pas touchés par Jésus. Even those judges cannot stand in need of Jesus. N'aura pas mon frère, ma soeur. You will not have my beloved. Disons, tu n'auras pas un jugement clinique, disons. Tu ne seras pas au colon gâté. You will not win. Amen, amen. Puisque quand quelqu'un passe sur un jugement au tribunal, when someone goes through a court, a case, amen, amen. Il s'en va pour qu'on puisse lui accorder la raison. They go to be given a release, a reason. Amen, amen. Amen. Mais les juges et les avocats de ce monde, but the judge and advocates of this world, sont corrompus, are so corrupted. Mais mon Jésus, but my Jesus, il est le vrai juge. He is the real judge. Lui, il suit la justice. He follows justice. Puisque lui-même est juste. Because himself is right. Ce sont les appelons Jésus Christ est juge. That's why we call him Jesus Christ is the judge. Il est le champion des champions. He's the champion of the champions. On va lire Apocalypse 11. 19, 11. We're going to read Revelations. Apocalypse 19, verset 11. Revelations 19, verse 11. Nous lisons et nous sautons pour aller au... And then we'll jump to verse 13 to 16. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parmi un cheval blanc, celui qui l'est monté s'appelle fidèle et véritable, et il le juge et combat avec justice. And I saw heaven open, and behold a white horse, and he that was set upon him was called faithful and true, and in righteousness he doth judge and make war. Et il était revêtu d'un vêtement de sang, cire, et son nom est la parole de Dieu. 13. And he was clothed with a vesture dipped in blood, and his name is called the Word of God. Les armées qui sont dans les ciels les suivaient, sur des chevaux blancs, et les vêtus d'un fer-lin blanc pur. And the armies which were in heaven followed him upon white horses, clothed in fine linen, white and clean. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il le pètera avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de la dente colère de Dieu Tout-Puissant. And out of his mouth goeth a sharp word, that with it he shall smite the nation, and he shall rule them with a rod of iron, and he treads the winepress of the fire, the fierceness and wolf of the Almighty God. Il a reçu son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des Rois, Seigneur des Seigneurs. And he hath on his vesture and on his thigh a name written, King of Kings and the Lord of Lords. Jésus Christ est le roi à venir que nous avons vu tout à l'heure. Jesus Christ is the King to come, as we've seen. Il est juge. He is the judge. Nous lisons Acte 17, verset 31. Let's read Acts 17, verse 31. Acts 17, verse 31. Oui, il nous dit ceci, bien aimé. Acte 17, verset 31. Je lis au nom de Jésus. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice. Par l'homme, il a désigné ses dons, il a donné à tous une preuve certaine à les ressuscitant des morts. Because he has appointed a day in the which he will judge the world in righteousness by that man who he
hath ordained. Wherefore he has given assurance unto all men that he has raised him from the dead. Amen, amen. Amen. C'est pour dire, bien aimé, nous avons le vrai juge, le vrai avocat, Jésus Christ, le champion des champions. It's to show you, my beloved, that we have the real judge, the real king of kings, and the real champion of champions. Devant les portes, quand nous allons nous dire, Advienne que pourra. In front of anybody, we should say ourselves, Advienne que pourra. Oye, oye, oye. We should say, whatever shall come, shall come. Amen, amen. Amen. Chantez le nom de n'importe quel nom que vous voulez. Say any name that you want. Dites n'importe quoi sur mon nom, sur ma personnalité. Say whatever you want to say about me and my personality. Tout ce que vous voulez sur ma famille, tout ce que vous voulez sur mes petits enfants. Anything that you want to say about my family and my children. Mais ce que je sais. But what I know. Que j'ai le Seigneur Jésus, le vrai juge. And that I have that the Lord Jesus, the real judge. Qui me considère comme lui fait. That considers me as he wants. And it's not how the people of this world want me to be. Jesus Christ is the judge. Qui juge mon cœur? That judges my heart. Qui juge ma vie? That judges my life. Ma famille. My family. Comme lui le voit. As he sees. Je ne peux pas avoir peur de nulle part. I cannot fear anywhere. De jugement apporté dans ce monde. For judgment to go back. Par les gens de ce monde. By the people of this world. Amen. 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 Que c'est là qui se trouve dans ce monde. Than anybody of this world. Amen, amen. Amen. Jésus Christ est juge. Jesus Christ is judge. Jésus Christ est au centre de toutes choses. Jesus Christ is the center of all things. Toutes choses. Of all things. Jésus Christ est au centre. Attention. Jesus Christ is the center. Amen, amen. Amen. Jésus Christ est au centre de toutes choses. Jesus Christ is the center of all things. Tout ce que tu pouvais faire. Anything that you could do. Jésus est au centre. Jesus Christ is in the center. Toute activité que tu peux faire. Any activities that you want to do. Aborde Jésus. Take on Jesus. Mon champion, s'il est avec toi. If my champion is with you. Tout va aller très bien. Everything will go fine. Tout business. All businesses. Toute activité que tu peux faire. All activities that you can do. Approche-toi à mon Jésus. Approach yourself to my Jesus. Approche-toi au champion. Approach yourself to the champion. La Bible déclare. The Bible declares. Qu'il est au centre de toutes choses. That he is the center of all things. Colossians 1:17-18. Colossians 1:17-18. And he is before all things, and by him all things consist. And he is the head of the body, the church, who is the beginning, the firstborn from the dead, that in all things he might have the preeminence. Amen, amen. Amen. Colossiens 17 nous dit ceci. Il est avant toutes choses, et toutes choses existent en lui. Amen. Amen. Le Jésus de Nazareth, le champion des champions. Jesus of Nazareth, champions of the champions. Il est avant toutes choses. He's before all things. Et toutes choses existent en lui. And all things exist in him. Il est la tête du corps. He is the head of the body. De l'église. Of the church. Il est le commencement. He's the beginning. Le premier d'entre les morts. The firstborn from the dead. Et enfin. And at the end. D'être en tout le premier. To be. To have the permanence. Amen, amen. Amen. Il est au début. He is at the beginning. Il est à la fin. He is at the end. Il est alpha. He is alpha. Il est oméga. And he is oméga. Quand tu commences avec lui, once you start, tu termines aussi avec lui. You finish with Christ. Tous ceux qui ont commencé avec Jésus, everybody that has started, sont finis très bien. Have finished really well. En ayant la crainte. With the fear. De Dieu en eux. Of God in them. Et en marchant correctement. By walking correctly. Selon la parole de Dieu. According to the word of God. Il est la tête du corps. He is the head of the body. De notre église. Of our church. Il est le commencement. He is the beginning. Il est le premier né d'entre les morts. He is the firstborn from the dead. Amen, amen. Amen. Jésus Christ est au centre de toutes choses. Jesus Christ is in the center of all things. Jésus Christ est unique au monde.
Jesus Christ is unique in the world. Mon champion est unique au monde. My champion is unique in the world. Il n'y a pas un autre nom ici, sur la terre, ni sous la terre, ni au-dessus de la terre, qui se passe le nom de Jésus. There's no other name from in the world under and above that goes over. Il est le premier, il est le dernier. He's the first and he's the last. C'est celui qui commence, c'est celui qui termine. He's the one that starts it. Quand tu commences à venir, tu termines très bien. When you start with him. Quand tu commences sans Jésus, tu finis par l'échec. Il est le tout pour nous. Il est notre raison d'être. Si nous vivons bien aimés, nous vivons avec Christ. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est grâce à Jésus. Combien sont morts aujourd'hui? Acclamons notre Dieu bien aimé. Alléluia. Il est unique au monde. Il n'a pas un autre nom qui surpasse le nom de Jésus. Tout ce qu'on connaissait bien aimé, ils sont passés. Mais Jésus ne va pas passer. Il est le même aujourd'hui. Il a été le même hier. Et pour toute l'éternité. Son nom est unique. On l'appelle en Asie. Il agit. On l'appelle en Europe. Il agit. On l'appelle en Amérique. Il agit. Car tout son nom est évoqué. Jésus guérit. Jésus fait des miracles. Il est l'unique nom. Au monde. In the world. Jésus Christ est unique par sa préexistence. Jesus Christ is unique by his existence, by his pre-existence. John 1 à 2. John 1, 1 to 2. 1 John 1 to 2. No, John 1. Okay, John 1. 1 to 2. John 1, nous lisons le verset 1 à 2. Il dit ceci. Amen, amen. Amen. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Amen, amen. Amen. Jésus a existé avant l'existence. Jesus existed before the existence. L'existence a ressuscité. The existence rose. Mais Jésus a existé avant l'existence. But Jesus existed before the existence. We call him pre-existence. Pre-existence. Amen, amen. Amen. Il était la parole. He was the Word. La parole était avec Dieu. The Word was with God. Et la parole est Dieu. Amen. The Word is God. La parole était au commencement. The Word was in the beginning. Avec Dieu. With God. La parole c'est Jésus. The Word is Jesus. Jésus Christ est unique par sa naissance. Jesus is unique by his birth. Amen, amen. Amen. Jésus Christ est unique par sa naissance. Jesus is unique by his birth. C'est pour ça que je l'appelle champion des champions. Amen, amen. Amen. Bien aimé, quand vous lisez ce livre, prenez le temps de demander au Saint-Esprit de vous aider à comprendre ce qu'on a écrit. Il ne faut pas croire que d'avoir peur, puisque c'était un grand livre, mais si vous lisez vraiment avec le Saint-Esprit, when you do read this book, do not fear because it is a big book. But when you read it with the Holy Spirit, it will help. It's not for no reason that I took time to write this book. C'est qu'ils avaient fait sortir les livres en 2014. Ils en ont encore fait sortir 3-4. Some people who brought out book in 2014 would have already brought out 3 or 4 other books. On n'écrit pas les livres comme on ne fait pas sortir des livres comme on fait sortir des DVD ou des CD. You don't bring out book, you don't publish books like you bring out DVDs and CDs. Tu peux chanter aujourd'hui, demain tu fais sortir des CD. You can sing today and then tomorrow you have. Mais écrire un livre. But writing a book. Les écrits restent. The writings remain. Les chants, la parole s'envolent. Oui, s'envolent. Yeah, the song, the words fly away. Amen, amen. Amen. Il faut avoir le Saint-Esprit, demander au Saint-Esprit pour t'aider à écrire. You have to have the Holy Spirit and ask for the Holy Spirit to help you write. Il y a savoir ce que vous voulez écrire. And for you to also know what you are writing. Matthieu, chapitre 1, verset 18. Jésus Christ est unique par sa naissance. Matthew 1, verse 18. Matthew 1, verse 18. Now the birth of Jesus Christ was on the wise, when as his mother Mary was
espoused to Joseph before they came together, she was found a child of the Holy Ghost. Alléluia! Voici de quelle manière arriva la naissance du champion des champions. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils y naissent, habiter ensemble. Amen, amen. Amen. Sa naissance a été une naissance incroyable. His birth was a different type of birth. Et celui-ci, cette naissance, on ne l'a jamais vu. And up until now, you still haven't seen it. Et on ne l'a jamais vu, bien aimé. And you've never lived it. Amen, amen. Amen. Sa maman l'a mis au monde sans avoir connu un homme. His mom gave birth to him without even knowing a man. C'est une naissance miracle. It's a miracle of birth. Amen, amen. Amen. Après Jésus. After Jesus. Et avant Jésus. And prior to Jesus. On n'a jamais vu une naissance comme telle. We have never seen. Telle naissance. We have never seen such a thing. Amen, amen. Amen. Jésus-Christ est unique. Jesus Christ is unique. Par sa naissance. By his birth. Même Mahomet. Even Mohammed. Avec une maman et un papa. Have a mom and a dad. On connaît seulement la mère de Jésus. We only know. On ne connaît pas son papa. We do not know his father. Son papa, c'est le Saint-Esprit. His father is the Holy Spirit. Joseph était un papa nourricier. Joseph was just a father. Un papa qui l'avait adopté. A father that brought him up. Amen, amen. Amen. Une naissance unique. A unique birth in his case. Et Jésus-Christ est unique par sa mission miracle, sur miracle. Jesus Christ is unique by his mission of miracles. Il est le champion des champions, puisque même sa mission est un miracle, sur miracle. Amen. He's a champion of a champion, because even his mission was miracles upon miracles. Partout il allait prêcher. Everywhere he went to preach. Il avait des miracles et des guérisons. There was miracles and healing. Partout il passait les années. Everywhere he went past, my beloved. Même pour parler à des gens. Il a fait toujours des miracles. It was always miracles. Des guérisons. It was always healing. Et les gens témoignaient. And people testified. Voilà ce champion. There is a champion. Qui n'a jamais connu. That never known. D'autres champions plus que lui. Other champions like him. Champion des champions. Champions of all champions. Jésus de Nazareth. Jesus of Nazareth. Et nous allons sauter pour terminer. Jésus-Christ unique par sa mort. Miracle c'est miracle. Jesus Christ is unique by his death. Miracles on miracles. Il est mort. Comme tout le monde. Mais il est ressuscité. Pas comme tout le monde. Not like everybody else. Tout le monde sont morts. Everyone else died. Tout le monde est sorti ressuscité. But not everybody else has. Mais Jésus est mort. But Jesus Christ died. Et le troisième jour il est ressuscité. And the third day had risen. Sa mort a été miracle. His death was miracle. Même sa façon où il est mort. Even the way he died. Il était mort bien aimé. He was dying. Donc, he il died. Est mort parce qu'il est, il est présent. Il est le même Dieu de l'éternellement. Même la façon où il est mort. Even the way he died. On n'a jamais connu la mort comme ça. He's never known the death like that. Il est mort, il est ressuscité. He died and he's risen. Tout c'était toujours miracle, c'est miracle. Everything was miracle on miracle. Amen, amen. Amen. Jésus-Christ est unique par sa mort, miracle, c'est miracle. Jesus Christ is unique by his death. Il est unique par sa résurrection, miracle, c'est miracle. He's unique by his resurrection, miracle on miracle. Amen, amen. Amen. Les ressuscités. He has risen. Jésus de Nazareth. Jesus of Nazareth. Amen, amen. Amen. Il est ressuscité. He has risen. Mais il a aussi ressuscité. But he has also risen again. Amen, amen. Amen. Il est ressuscité de mort. He has risen the dead. Il a fait aussi ressuscité de les autres de mort. He has seen a risen half a death. En dehors de lui. Apart from him. Il n'y a pas encore un autre qui ressuscite. There's nobody else that does this. Voici à peu près les raisons pour lesquelles j'appelle Jésus-Christ mon champion des champions. This is some of the reasons why I call Jesus Christ my champion. Car il y a que lui qui a remporté la coupe d'honneur devant notre ennemi Satan dans tous les combats, que soit humain ou spirituel. Because it's only him that has brought back the trophy of honor in front of our enemy Satan amongst all types of battles, human or spiritual. Amen, amen. Amen. Mon champion des champions. My champion of all champions. C'est lui qui a remporté la coupe d'honneur devant notre ennemi Satan dans tous les combats, que soit humain ou spirituel.
one has brought back the trophy from all the trophy of honor in all of the battles with our enemy Satan. Avec Jésus-Christ, le champion des champions. In Jesus Christ, the champion of all champions. Nous sommes plus que vainqueurs. We are more than victorious. Avec le champion des champions et les mêmes. Our champion of all champions. Nous ferons des exploits. We will do great things. Voilà bien aimé. Ça c'était mon introduction. This was my introduction, my beloved. Amen, amen. Amen. Dieu voulant. God willing. Nous allons voir le premier chapitre. We will look at the first chapter. Là où Jésus est le bon berger. Where Jesus is the good shepherd. Amen, amen. Amen. Les raisons pour lesquelles je l'ai intitulé, j'ai intitulé ce livre Jésus-Christ, champion des champions. The reason why I have titled this book Jesus Christ, the champion of the champions. Amen, amen. Amen. Nous voulons nous mettre debout, bien-aimés, pour prier notre champion des champions. Let us stand, my beloved, to pray Jesus as the champion of the champions. Nous allons déclarer quelques mots. We're going to declare a few words. Pour que les champions puissent demeurer dans notre vie éternellement. So that our champion will remain in our life. Nous ne voulons pas être de pied. We don't want to be a foot. Nous voulons être la tête. We want to be the head. Nous ne voulons pas être le dernier. We don't want to be last. Mais nous voulons être le premier. We want to be first. Puisque avec Jésus. Because with Jesus. Amen, amen. Amen. Nous ne serons pas ce que nous sommes. We will not be what we are. Mais nous serons ce que lui veut que nous puissions être. Be what he wants us to be. Amen, amen. Amen. Acclamons toujours notre Dieu. Yeah. Je l'oublie qu'il t'aille. Yahweh, son mon alola, babeli, babikaye.